Bonjour à tous, bienvenue dans le golfe du Morbihan. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Lanchier, le guide de pêche local. Donc on est là pour une partie de pêche à la dorade. Donc là, on est vraiment à l'intérieur du golfe, au moment de la marée descendante. Donc pour l'instant, on va faire une partie de pêche au mouillage, au traînard classique avec un plomb coulissant, au crabe. Et une fois que l'étal de basse mer va arriver, ben, on ira certainement faire une petite pêche en verticale, en dehors du courant, au ténia. Donc on pêchera des dorades grises, certainement des vieilles, des poissons de roche. Et puis ben, on espère aussi quelques dorades royales. Voilà. Donc pour la partie matérielle, on verra ça tout à l'heure parce que bah, là le courant descend et bah, forcément c'est des poissons qui passent, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. Donc je vais prendre un crabe et je vais vous expliquer comment je l'installe sur mon hameçon. Donc tout d'abord déjà j'enlève les pinces et les pattes d'un côté. Hop, voilà comme ça. Là ici je vais lui enlever la carapace parce que bah, c'est des poissons qui prennent en bouche, mais beaucoup de monde savent que les crabes mous, en fait, c'est quand même beaucoup plus performant qu'un crabe dur. Donc le fait d'enlever la carapace, ben, on garde un petit peu de... Hop, voilà. On enlève juste la coquille. Voilà. Donc je vais passer mon hameçon comme ça à l'intérieur. Voilà, donc je le cache bien à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Voilà. Après, je prends les pattes restantes que je monte sur le fil. Et après, donc, je vais ligaturer. Voilà. Je ligature bien. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Parce que, bah, comme il y a du courant, le crabe va se mettre bien dans l'alignement du courant et il ne va pas tourner dans le fond. Donc, ça va éviter que le bas de ligne vrille et ça va rester pêchant, quoi. Donc je la déture bien parce que comme elles le prennent en bouche, elles l'écrasent. Et si j'en mets pas beaucoup, ben, le crabe va vite partir. Voilà. Et là je suis pêchant. Allez, c'est parti. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est dans le courant de la jument, donc à l'intérieur du golfe. Donc là en fait le principe du poste c'est qu'on est vraiment sur une plâture qui est au bord du chenal principal. Donc là il y a 8-9 mètres d'eau et sur les côtés il y a de 15 à 25 mètres. Donc il y a un gros courant qui descend et un retour qui se fait et les poissons viennent en fait sur la bordure de la cassure. Et nous le fait que ça repart dans l'autre sens, bah, on pêche vraiment sur le bord de la cassure pour intercepter les poissons. Ah touche, oh. T'as vu quand tu décolles pas? Il y a la roche. Ah ouais? Il y a la roche. J'ai cassé, je pense. T'as cassé? Ah ouais, je pense que j'ai cassé. C'était certainement un beau poisson. Par contre, bah voilà, quoi, comme on pêche dans la roche. Cassé. Ça fait partie du jeu. Une touche, Guillaume? Oh bah là, oui. Il y a un passage là, je pense. Tu l'as? Ouais, c'est bon ça. C'est une belle. C'est une belle, ouais. C'est une grosse. Il y a un passage, effectivement. Ouais, c'était une touche aussi, moi, tu vois. Toi aussi? Je pense. Oh, ouais. C'est un beau poisson, Guillaume? Ouais, je pense. Ouais? Ouais, si, c'est une belle. Ouais. On est ensemble ou pas, tu sais pas? Attends, bouge pas, je vais te ramener l'épuisette. Plein de touches. Hein? Plein de touches avec cette fausse bouton poisson. Plein de touches. Ouais, je te laisse faire, hein. Ah, un beau poisson. On devait bon faire monter. Ouais. Bah, c'est les perles qui se coincent, ouais. C'est cool. Attends, tu vas faire ta casse. On va voir.
Ah, elle est belle. Allez dedans. Bravo Guillaume. Bon, Guillaume vient de nous faire un super poisson, un poisson je pense environ de 3 kg. Juste après que j'ai réussi à en casser une. Et là je pense qu'il a un poisson qui fait un bon 3 kg. En plus elle avait bien pris, on voit plus l'hameçon ni rien, c'est un magnifique poisson. Donc on espère un petit pic d'activité après ce beau poisson. Elle est belle. Touche. Ouais. Ah oui. Rends la main, rends la main, rends la main. Allez dessus. Un beau poisson, non, encore là? Oh, ça faisait un petit coup de tête. Ouais. Un beau passage là, quand même. Donc Guillaume, le temps de décrocher son poisson, bah, ça a permis à Jean-Christophe en fait de pouvoir lancer où il fallait et d'avoir une touche tout de suite dans la foulée. Oh, y a un passage. Donc ça a l'air vachement précis, mais il y a un joli passage de jolis poissons. Bon, pas aussi gros que Guillaume, mais... Oh, c'est un joli poisson. C'est un beau poisson. Tiens, regarde. Décroché dans l'épuisette. Ah, ça, c'est une guide de pêche où on n'est pas. Hein. Bon, bah faut profiter d'avoir un passage en ce moment. Alors, les dents de devant sont en fait pour arracher les moules. Ou des dents un peu plus pointues. Moules, huîtres, praires, palourdes, crabes. Le reste derrière, les molaires, pour broyer. Voilà, elle doit broyer du golf. Les tailles, dans les forts courants comme ça et sur les parcs, on trouve des poissons jusqu'à 6, 7, voire 8 kg. Taille classique, c'est 2,5 kg. 3 kg, ça commence à être du beau poisson, voilà, surtout dans le courant avec les 4 à 6 nœuds de courant qu'il y a sur le golf, dans certaines passes, ça envoie dur. Touche. Oh, bah, il n'y a plus que toi qui est à l'eau. Hein? Il n'y a plus que toi qui est à l'eau. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est bon, Yvan. Ah, elle est belle. C'est piqué. Oh la vache. Putain, moi j'ai des nœuds partout. Ah, bon. Ah, ouais. Beau poisson, je pense. Elle est belle, ouais. Merci Guillaume. On a encore un super poisson. Ouais. Bon, encore un beau poisson. Hein. Bravo Yvan. Un poisson environ de... Pareil, de 3 kg, là, comme Guillaume et Jean-Christophe tout à l'heure. La prise juste sur le bord là. C'est vrai qu'un petit 2-0 là, prise dans la commission là, il n'y avait aucun risque. Ça fait toujours plaisir. Ouf. De prendre des beaux poissons comme ça. Ouais, bon, je crois qu'il y a vraiment un passage. Donc, c'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Bon, moi c'est ma, je suis pas au troisième ou quatrième touche, mais vraiment deuxième beau poisson que j'ai touché. Puis là on arrive en fait dans la moyenne quoi, des poissons presque 3 kg. Ouais, comme Jean-Christophe disait, hein, des poissons magnifiques, super beaux, des belles couleurs, hyper combatifs. En plus, on les prend sur le bord d'un courant, donc elles ont tendance à aller chercher. Avec des petites cannes dédiées à la pêche du bar au départ, ben, on se fait hyper plaisir. Parce qu'à la base, c'est des poissons qui sont quand même pêchés avec des cannes de surf, des cannes de grosse puissance. Et puis là, avec des petites cannes light, c'est top, quoi. Voilà. Donc on va continuer, voir s'il y a d'autres poissons à prendre. Ouais, on va bouffer. Allez, il n'y a plus qu'à. Oh bah là oui. Cassé. T'as tout cassé. J'ai vu. La tresse.
Tu veux l'épuisette? Allez. D'habitude, tu prends pas l'épuisette comme ça. Non, prends la main. Mais... Un petit poisson, 2,8 kg. Ah, ça frotte encore. Ouais. J'ai la chance d'avoir du spectacle avec les gens qui vont passer, ils vont t'applaudir. Ah, c'est bon. Dessus. Il l'a. Il l'a. Ah, oh non. Cassé. Cassé. Le salade. Je vais faire rien. Ah, elle est belle encore. Beau poisson. Alors en ce qui concerne le matériel qu'on a utilisé aujourd'hui pour pêcher justement les dorades royales dans le golfe, donc tout d'abord j'utilise une canne de 2,40 m de puissance 10-60 g. Donc là c'est une canne d'Aiwa Moretan Branzino. Bon après sincèrement il faut que ce soit une canne qui fasse 2,40 d'une puissance 10-60 ou 20-80. Mais je dirais à l'action il faut des cannes un petit peu puissantes quand même parce que comme vous pouvez le voir c'est des poissons qui ont de la patate et on les pêche dans le courant donc faut quand même de la réserve. Après au niveau du moulinet j'utilise un Saltiga 3500H équipé d'une 13 power shot en 13 centièmes. Après là dessus je mets une tête de ligne en fait d'environ 2 mètres de 40 centièmes, le fluorocarbone powerline bien sûr, 40 centièmes. Après, en ce qui concerne le montage, alors c'est très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Il suffit juste de mettre une agrafe coulissante, voilà, comme ceci, coulissante sur toute la longueur du badling, parce que c'est des poissons qui viennent prendre et il faut les laisser partir un peu avec. Une perle molle pour ne pas abîmer le nœud, et puis un émerillon. Voilà, donc les agrafes, c'est celle-ci, c'est des agrafes rapides, tout simple. Et en ce qui concerne le badling, j'utilise environ 1,50 m de badling. Voilà, 1,20 m, 1,50 m, il n'y a pas besoin de mettre trop long, parce qu'après on est embêté pour lancer avec la longueur des cannes. Et un hameçon, soit 1,0 ou 2,0, comme ceci. Voilà. Fort de fer, point 30-30 un petit peu, et surtout très piquant. Voilà, oui. Ah, j'ai une algue à prix. Allez. Allez, pars avec. C'est sûr, elle a déjà.
Elle avait déjà mangé. Ah, je pense qu'elle est un peu plus petite celle-là. Ouais. Ouais, c'est pas sûr. Ah ouais, bon, on voit bien. On voit bien. Wow. Non, non, elle est pas petite. C'est une fausse petite. Alors, elle est belle. Encore plus grosse que l'autre. Oh, celle-là est magnifique. Regarde comment elle est rosée et tout. Putain, je pensais que c'était une plus petite. En fait, c'est certainement peut-être la plus grosse. Et les grosses, elles sont beaucoup plus méfiantes. Plus sauvages et elles font des touches plus discrètes en fait. Avec un magnifique combat en plus, ça m'a pris du fil, c'était super, c'était top, magnifique poisson. Oh là là, t'as vu la touche? Ah bah là, un vrai... Ouais. Ah non, mais là, c'est... Oh là là, voilà. Ouais, je pense. Ouais, c'est gros. Allez, ouais, c'est bon. On peut avoir une belle. La big boss. Oh. Oh, c'est un beau poisson. Tu dis celui qu'on prend la suite, hein. Non, non, mais c'est un beau poisson. Ouais. C'est la première fois que je me fais... Tu t'es malmené ? Ouais. Les coups de tête... Ah, elle est belle. Ah si, elle est belle. Il y a une carpe rouge. Ah, elle a des gros coups de tête encore. Elle est pas si grosse que ça. Hein. Elle, est... Ah, elle est belle. Regarde, elle est tout jaune. C'est un beau poisson. Merci Jean-Christophe. Ouais. Magnifique. Elle est bien, bien prise en plus là. Bon, on va arrêter sur ce magnifique poisson. Je prends un poisson de 2,5 kg, peut-être 3 kg. Maintenant, ça va être le moment de faire le casse-croûte. En plus, Jean-Christophe va nous préparer un magnifique carpaccio de dorade qu'on va déguster tous ensemble sur le bateau. On va en profiter pour continuer à essayer de faire quelques poissons pendant la pause parce qu'on va pouvoir mettre des canaux posés. Et juste après ça, on essaiera de faire une petite partie de pêche au ténia en toute convivialité pour finir cette journée. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt dans un prochain numéro.